Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Il va falloir s'accrocher parce que j'ai beaucoup d'infos à vous donner. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça, je l'ai pas mal pris, hein. Et je lui fais une dédicace, d'accord, du coup, Alzidor. J'ai beaucoup d'infos sur Marvel et DC Comics parce que déjà en ce moment il y a beaucoup de choses sur Marvel et DC Comics, tout simplement. Et en fait, c'est juste une question que. Comment dire ça? Marvel et DC sont en concurrence et ils ont une énorme fan base. Bah voilà, quand t'as chez DC par exemple, t'as un personnage comme Superman et Batman, ou même les autres comme Wonder Woman et Flash, bah et surtout avec le renouveau de DC Comics, j'ai pas mal d'infos sur leur projet, même si c'est pas le truc que j'ai le plus pour être honnête, mais j'ai des infos plutôt pas mal. Et en concernant Marvel, j'ai pas mal d'infos parce que c'est la plus grosse industrie du cinéma actuellement. Donc c'est normal que j'ai pas mal d'infos et que je les partage surtout avec vous. Mais là, je vais vous parler ni de Marvel ni de DC Comics et on va parler de Dune et pas n'importe lequel, parce qu'on va parler de Dune numéro 3 qui sort, le début de tournage commencera en août 2025 pour une sortie en décembre 2026 en face de Star Wars. Donc on peut dire que Warner Bros. C'est une sacrée paire d'avoir fait ça. Et je pense qu'ils vont peut-être gagner leur pari. Je vois bien Disney soit avancer la date, soit ils reculent la date, excusez-moi, soit ils avanceront la date en 2027, du coup, ou alors le reculer plutôt en 2026. Mais je vois plutôt Warner Bros. En position de force. Il faut avoir une sacrée paire de cornes pour poser Dune en face de Star Wars, même si je trouve que Star Wars est quand même, en tout cas les films sont dans une forme un peu déclinante, là où Dune monte en puissance. Donc c'est plutôt audacieux, le sacré pari de Warner Bros. Et sacrément audacieux, sacrément couillu. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.